Beauty and Shape. Alors, sans plus tarder, je vous présente deux participants au défi transformation Nouvelle année, nouveau body. Donc, bonjour René, René Champagne qui est de Belœil. C'est un beau couple France-Québec. Donc, bonjour René et Denis Bocage. Bonjour. Bonjour. Alors, René, dis-nous, toi, justement, c'est quoi tu désires accomplir durant le défi transformation? C'est quoi ton objectif personnel? Alors, moi, Josée, mon objectif personnel, c'est d'obtenir mon poids santé. J'ai des problèmes de glandes thyroïdes qui ont été détectés depuis 10 ans. J'ai découvert une entreprise qui m'offre des suppléments de haute qualité. Et depuis que je prends la nutrition, j'ai réussi à arrêter de jouer au yo-yo. Maintenant que j'ai arrêté de jouer au yo-yo, je veux obtenir mon poids santé avec le défi transformation. Merveilleux! Puis Denis, il n'a pas vraiment de poids libéré, mais il voulait effectuer une bonne détoxification, repartir justement à neuf. Alors Denis, comment ça a été ton 5 jours de détoxification? Ça s'est très très bien passé. J'ai perdu 3 kilos et à 6 livres et demi pour le Québec. Donc je suis très content, comme j'ai tout en mus, donc tout va bien. C'est bien. Alors sans plus tarder, notre coach Émile, justement, pour nous conseiller avec des exercices qu'on peut faire de la maison ou de la salle de sport. Bonjour tout le monde. Bienvenue. On a des amis de la France et du Québec, alors c'est intéressant de voir et dire bonjour aux amis de la France. Denis, on va commencer avec Denis, avec les appareils. Soit que vous avez un appareil chez vous, que vous travaillez en salle, ce qui est important, c'est d'avoir un extenseur. On va parler de l'extension de la jambe. Fait que, tout simplement, on garde nos mains sur les cuisses, si on peut contrôler notre charge, ce qui fait qu'on fait aussi le momentum avec la tête pour pouvoir avoir la connexion qui va se faire avec le muscle. Ce qui est important, Denis, tu vas extendre la jambe vers le haut pour sentir la jambe qui travaille. On voit tout de suite le muscle qui travaille et tu redescends en bas. Plus on retient la charge en haut, je refais le 4-5 fois le mouvement, plus on fait la charge en haut, plus on retient la charge, plus on va avoir une tension qui va se faire. On travaille le devant de la jambe. Je pense que c'est là que tu te sens, mon Denis. Ah oui. Excellent. Super. Et merci, Denis. On va passer avec un exercice si vous êtes à domicile et vous n'avez aucun poids. Je parle bien aucun poids et on veut travailler. Qu'est-ce que tu veux travailler? Moi, je veux raffermir ma cuisse. Je trouve que ma circonférence est un peu large. Alors, j'aimerais ça avoir des cuisses un peu plus fines. Parfait. De plein mille. Parfait, parfait, parfait. Écoute, on va se placer en position comme un sumo. Large. On va se placer en position large. Plus large que mes épaules. Plus large que tes épaules. La largeur que tu peux contrôler. Okay. Et on va descendre sur son poids, avec un mouvement assis. On va retenir la charge pendant 1, 2, 3 secondes et on va remonter. On peut redescendre et plus on retient la charge au sol, plus on travaille l'intérieur de la cuisse. Allez. On la garde 1, 2, 3, 4 secondes. On fait 4 fois le mouvement, 12 à 15 fois. C'est excellent pour activer le système dans vos jambes et de pouvoir raffermir la cuisse. Est-ce que tu te sens bien, madame René? Oui. Excellent. Oui, je le sens. Là-dessus, on laisse le mot à Josée. On remercie nos gens et on vous remercie à vous aussi. Alors, merci à tout le monde d'avoir été présent pour notre capsule transformation. Donc, on entame notre 4e semaine avec notre défi Nouvelle année, nouveau body. Et je vous encourage fortement d'y participer avec nous. Faites l'interaction sur Facebook, puis bonne semaine. Bye bye! Si vous avez des questions, on est là. Bye bye! On arrive!